Ça ne fait pas du bien. Vite, sautez sur le rebord. Nous devons atteindre le sommet. Come on.
Oh!
Tandis que le mal disparaissait, le vieux roi, ou le peu qu'il restait de son âme humaine, fut libéré. Les artefacts rétablirent lentement l'équilibre du monde. La vie et ses joies revinrent dans le royaume. Au printemps, un nouveau roi fut sacré. Le nouveau roi récompensa nos héros. Le chevalier refusa de devenir le capitaine des hommes du roi. À la place, il suivit les traces de son père et embrassa son autre passion, la nourriture et la bière. Il devint le fournisseur en bière attitré du roi. La voleuse reçut des richesses bien au-delà de ses rêves les plus fous, mais elle ressentit le besoin de retourner dans les ruines de la forêt. Le roi accéda à sa requête et lui demanda de régner sur la forêt où la vie revint peu à peu, lui redonnant sa splendeur d'antan. Concernant le magicien, il comprit finalement que la route du succès n'avait aucun lien avec le sort de boule de feu. Il n'était pas sûr de ce que c'était, mais le fait d'avoir sauvé le royaume l'avait certainement aidé. Après s'être marié avec une femme nommée Margaret, ils eurent des triplés. Beaucoup dirent que ce fut un moment enchanteur. Nous ne savons pas si le père ressentit de la fierté, de la honte ou bien les deux, lorsque ses enfants parvinrent à maîtriser le sort de boule de feu avant leur premier anniversaire. Malgré tout, ils vécurent tous heureux pendant longtemps.